Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Eh bien, pendant que j'étais à Paris pour la BeautyTube, j'ai reçu la Beautiful Box. Si vous avez envie que je vous parle, je vous laisse suivre ma vidéo. Vous l'avez reçu déjà depuis quelques temps pour vous. Moi, je l'ai reçu donc il y a peu de jours. Quand je l'ai ouverte, je suis très mal à l'aise pour faire cette vidéo, mais bon, tant pis, je vous ai toujours promis de dire ce que je pensais, et je le ferai tout le temps. C'est une boîte qui, moi, ne m'a pas plu du tout cette fois-ci. Alors, je sais que ça dépend des goûts et tout ça, mais voilà, donc je vous l'ouvre. Elle est très jolie au point de vue boîte, voilà. Donc, et toujours mon petit mot, avec une petite annotation. Il y a au fond de vous des multiples petites étincelles de potentialité. Elles ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites. Ça, c'est ce que je vous souhaite à toutes. Et cette phrase est de Wilfred Peterson. Bon, très bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai eu dans cette Beautiful Box? Alors, de chez Boho, un Green Makeup, j'ai eu un vernis. Alors, un vernis à ongles qui est au prix de 6 euros. Alors, il a reçu un trophée Cosmé Bio, donc c'est entièrement bio. Voilà. Naturel est engagé. Il y a certainement dans leur gamme de produits des produits qui sont plus bio que d'autres. Je pense que le vernis ne l'est pas complètement parce que je lis jusqu'à 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Un filtre UV qui agit contre la décoloration et prévient le jaunissement de l'ongle. Ça, c'est un bon point. Aucun ingrédient d'origine animale. D'accord. Alors, appliquez le vernis de base. D'accord, hein. Une deuxième couche. Et voilà des pieds de star. Miroir, qui a les plus beaux pieds. Alors, il y a plusieurs coloris, comme vous voyez. Des coloris qui sont assez flashy. Moi, j'avais les ongles mal faits. J'ai mis le vernis qui m'était attribué. Et sincèrement, moi, j'aime pas du tout. C'est une question de goût. Je n'aime pas. Parce que j'ai l'impression d'avoir des ongles avec du fond de teint dessus. Donc, je n'aime pas. Donc voilà, donc un vernis, je pense qu'ils ont aussi du rouge et des coloris comme ça. Là sur la carte, il n'y a que ceci. Donc si vous voulez savoir voir d'autres coloris, je vous invite à aller sur leur site, c'est beau. Ensuite, deuxième produit, OO Lution, Glow Up 65 Actif. Voici, alors ça c'est une crème. C'est une crème qui est à 29 euros. C'est un soin multi-action et sur mesure, hydratant, antioxydant et détoxifiant. Composé de 100% d'ingrédients naturels, il contient plus de 65 actifs, ce qui est très rare en cosmétologie. Eh bien, moi, je trouve que c'est bien mieux quand il y a moins d'actifs. Parce qu'avec 65 actifs, je trouve que c'est énorme. Quand on en a déjà pour les peaux les plus sensibles, il y a des actifs sélectionnés, mais on n'en met pas beaucoup, par exemple Avène, La Roche-Posay, parce que sinon c'est trop difficile de pouvoir savoir à quoi on est allergique. Donc ça, c'est pour moi un bémol. Voilà. Donc c'est un soin visage, il hydrate, il donne de l'éclat, il détoxe, c'est antioxydant, etc. Et il est à base de quoi? Je ne sais pas. Il y a du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'eau de fruits de citron pour éclaircir, de l'huile de jojoba, de colza, de bourrache, d'onagre, de l'extrait d'immortel, de l'huile essentielle de yang yang, citron, 40, lavande vraie. Il y a beaucoup, effectivement, beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Alors, c'est appliqué sur le visage et sur le cou. Voilà, moi, je l'offrirai. Je ne vais pas la tester parce que je sais que ça ne me conviendrait pas. Ça, c'est sûr. Donc ensuite, Arcasum activateur de bronzage calé, c'est une huile. Alors une huile bio, mais enfin en même temps, je n'ai pas à faire... Je n'ai que des produits à base d'huile. Parce que souvent, effectivement, quand on a des produits bio, alors il n'y a pas toutes les marques, hein, mais souvent, il y a quand même des produits à base d'huile. Hein, d'accord.
Alors ça, c'est une huile qui est à 36 euros. C'est quand même cher pour les 15 millilitres, hein. C'est un activateur de bronzage qui prépare et sublime le bronzage pour tout type de peau. C'est un sérum visage double action. Il prépare la peau et il répare et réconforte la peau après l'exposition solaire. Il est composé d'huile de carotte, d'huile d'argan, d'huile essentielle immortelle et yom yom qui parfume et lutte contre le vieillissement de la peau. Oui. Voilà. Donc, moi, je ne mets pas d'huile sur mon visage. Ça peut être très bien. Moi, c'est un produit qui ne m'intéresse pas. Il est complètement bio. Voilà. Donc, voilà. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui aiment ça. Donc, voilà. J'ai un autre produit. Auriculi, nettoyeur d'oreilles écologique, l'Amazuna. Alors, moi, je n'ai pas le petit pompon comme il y a marqué. Moi, je n'ai pas. Bon, de toute façon, ça m'est complètement égal. Pour trouver le nom. Oui, d'accord. Alors, l'Amazona, qui veut dire jolie fille, d'accord, dans sa langue. C'est un nettoyeur d'oreilles écologique qui remplace les bâtonnets. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Parce que ça veut dire que je vais le jeter à chaque fois. Bon, on peut le nettoyer, mais j'ai pas envie que quelqu'un s'en serve après moi ou qu'il ne le nettoie pas. Non, 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 ça, une otite, bof, tout, non, 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 ça, non. Donc voilà, ça c'est déjà ça, 4,50 €. Donc voilà. Je vous ai dit, quand quelque chose ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. De toute façon, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose qui me plaît quand même, c'est le savon sur gras très doux de chez Gaïa. C'est avec un savon complètement bio. Avec de l'huile d'olive, de l'huile de son de blé, l'huile de coco, de l'eau, bien sûr, de la glycérine et de l'huile de ricin. Et c'est tout. Mais oui, mais c'est parfait. Il pique un peu les yeux, d'accord. Il n'a aucune substance synthétique. Il peut nous sauver la peau tous les jours, c'est ce qui est dit. Alors, il est à 5,90 €. Voilà, donc il démaquille en douceur. Moi, je me démaquille pas. Il lave les cheveux. Non, je ne me lave pas les cheveux avec un shampoing. Il est, moi, je trouve, pour laver mon corps. Et voilà, donc voilà. Alors, 5,90 €. 5,90 €. Bah, vous aimez bien quand je fais les comptes. 29, qu'est-ce que c'est? Alors, 29 les crèmes. 29 et 4,50. Oh, allez, ça fait dans les 33. 33 et l'huile qui est à 36, ça fait 69. 69 et le vernis qui est à 6, 69, 75 à peu près. Il me manque plus que le savon 80. Et le petit truc, ça fait dans les 84 € de produit. Évidemment, vous avez plus de valeur de produit que d'avoir dépensé votre box qui est à 29,90 si je ne me trompe pas. Bon, je vous mets les références de là. Personnellement, moi, je reçois une box comme ça, je ne la recommande pas, quoi. Voilà, donc c'est, moi, je la reçois gratuitement, hein. Mais j'avoue que je suis gênée. Peut-être que j'aimerais bien qu'il ne me la renvoie plus parce que je n'aime pas faire ce genre de vidéo, mais en même temps, je dis toujours ce que je pense. Donc, je vous embrasse toutes et tous. Et puis, dites-moi dans vos commentaires, vous, ce que vous pensez. Parce qu'il faut me contredire. Ben oui, moi, c'est mon goût. Mais vous avez le vôtre aussi. Et c'est très utile pour la communauté. Bisous, bisous, bisous à vous toutes. Bisous à vous tous.